l'histoire du Lincoln a démarré pour le groupe Réalité il y a 2 ans déjà, à peu près, avec des premières études préliminaires, avec beaucoup d'expertise autour de ce projet. En fait, il s'agit d'une opération très complexe, qui est quasi une première au Maroc, et beaucoup d'hommes et de femmes derrière qui travaillent pour la réussite de ce projet-là. Et puis aujourd'hui, on rentre dans la phase démarrage de travaux. Ce sont des travaux qui vont durer pendant 1 année, c'est des travaux préparatoires. Techniquement, c'est une opération très compliquée, puisque durant à peu près 6 mois, il y aura des travaux de confortement de la façade, de consolidation, puisque l'aspect sécurité, sécurité des personnes, sécurité des biens est un aspect primordial pour nous. Donc nous allons d'abord passer par une phase de consolidation, de confortement, de mise en sécurité de tout l'existant, en essayant de conserver le maximum de la façade, avant de pouvoir accéder à l'intérieur du site et commencer enfin les travaux de terrassement, de reprise en sous-œuvre, etc. En mois de septembre 2022, on pourra enfin démarrer les travaux de gros œuvres, de structure de ce chantier qui parle à tous les Marocains, tous les Casablancais, mais au-delà de tous les Casablancais, de tous les Marocains, c'est une fierté. Les personnes qui travaillent sur ce projet sont fiers de travailler sur ce projet, de participer à un acte citoyen, historique. On vient de parler de la première grande étape qui consiste en la mise en sécurité des façades. Mais aussitôt sécuriser les façades, on va entamer la deuxième grande étape qui consiste en la restauration de ces façades-là. Il faut savoir que nous avons déjà établi un diagnostic préliminaire. Maintenant, il faut qu'on le complète lorsque le site sera sécurisé. Et ce diagnostic va nous permettre de définir la méthodologie de restauration de la façade. Donc, ça permet de définir un peu l'ensemble des caractérisations de l'ensemble des matériaux qui sont mis en place, que ce soit les briquettes, les enduits, les boiseries, les métalleries, etc., pour qu'on puisse reproduire à l'identique toutes les parties ornementales qu'on voit un peu, qui restent encore debout sur les façades existantes. Donc, en fait, ça, c'est un vrai challenge pour lequel on va devoir faire appel aux maîtres artisans marocains, les ma'allem, qui ont l'habitude de faire ce genre de travaux. Et ça sera l'occasion aussi de pérenniser, de valoriser ce savoir-faire marocain qui est un peu unique. C'est un travail qui est quand même extraordinaire et il faut qu'on le mette en valeur. La troisième grande étape, ça va être la finalisation de la construction neuve à travers les façades neuves, le gros œuvre, tous les lots techniques, les lots de finition, etc. Et pour un achèvement prévu courant 2025, Inch'Allah. C'est un beau défi que nous sommes en train de relever. Nous avons franchi de belles étapes. Ça n'a pas été simple d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes tous mobilisés pour réussir ce beau challenge. Réalité Afrique, à travers le projet iconique du Lincoln, a l'ambition de porter son ADN sur le territoire marocain, qui consiste notamment à être entreprise à mission, à être développeur des territoires, l'aménagement des territoires, et de porter également à travers cet ensemble une démarche environnementale, puisque l'ambition de Réalité est d'avoir une certification environnementale HQE sur le projet Lincoln. De permettre, sous l'impulsion des autorités locales et gouvernementales, une revalorisation du patrimoine, une reconquête, une redynamisation du centre-ville historique de Casablanca. Le coût d'investissement de l'hôtel Lincoln sera au minimum de 330 millions de dirhams. Et nous avons pour objectif de le livrer au public courant 2025. À terme, l'ambition de Réalité est donc de redonner vie à ce projet emblématique du Lincoln, qui sera un hôtel 5 étoiles de 120 chambres, création de 2 niveaux de sous-sol, des espaces communs de coworking, de salles modulables de réunion. Le Lincoln prévoit également un rooftop avec un ensemble d'espaces communs ludiques qui constitueront un lieu d'attractivité pour les Casablancais. Réalité est une ETI française qui a bientôt 20 ans.
que j'ai créé avec Christophe Debrébisson et que je dirige depuis 2003. C'est une ETI qui fait du développement territorial, qui compte 700 à 800 collaborateurs, qui est cotée aujourd'hui en France et qui s'est installée au Maroc il y a 4 ans et au Sénégal il y a un an avec une ambition de développement de long terme à une échelle panafricaine. La réalité parle souvent de développement territorial et on peut légitimement se poser la question de ce qu'est le développement territorial. Le développement territorial, c'est être au service de 3 clients, l'usager, l'investisseur long terme et le territoire sur lequel se développent les projets. Voilà, c'est ça, la maîtrise d'ouvrage, passerelle entre ces 3 univers qui créent de la valeur économique, mais de la valeur aussi sociétale, économique, environnementale, enfin bref, l'intérêt général. Voilà. Réalité revendique donc être un développeur territorial au service de l'intérêt général. Comme vous le savez, Réalité intervient d'une manière très spécifique sur le projet Lincoln, qui est un projet exceptionnel, mais à projet exceptionnel, dispositif exceptionnel. Réalité est investisseur dans les murs et investisseur dans le fond, avec un management contract du groupe Radisson et de sa marque Collection. Pourquoi ? Parce que c'est un projet extrêmement difficile, qui est un projet de reconquête du centre historique de Casablanca. C'est un projet techniquement difficile parce qu'il faut préserver une façade. On intervient en plus dans un environnement urbain extrêmement dense. Et pour avoir une chance de bien réussir ce projet au service du développement du rayonnement de Casablanca, il nous a paru évident qu'il fallait tout intégrer pour que chacun pousse dans la même direction.